Salut tout le monde, c'est Thundard et bienvenue sur la suite de Battle Kid en rétro achievement. Je m'étais arrêté juste ici, on continue. On continue, là il y a un escalier, c'est facile, et là, ça commence la galère. Pas de problème, hein, j'ai sauvegardé juste avant, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu ce bloc. Vous avez vu le bloc, vous? Pas moi. Donc il y a un bloc en face. C'est pas grave, on fait comme si on l'avait pas vu, comme tout à l'heure, voilà. Tranquillement. Là. Ah. Waouh! 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 Waouh, waouh, waouh. C'est le retour de tuk-tuk-tuk-tuk. Oui! C'est gagné! Oui! Ah, faut aller super vite là. Faut aller extrêmement vite. Voilà. Là, faut faire. Tac. Wow. Et là, t'es mort. Je suis mort, les gars. C'est fini. Putain, mais... Le masque de collision. C'est à la frame près. Le jeu de la frame près. Il est là, il est devant vous. Et... Pourquoi j'ai pas été directement? Oh, ok, je peux sortir de là. Très bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a ça. Oh non. Oh non. C'est trop chaud là. Allez, dégage. Oh! J'ai compris. J'ai compris. On va faire descendre les grenouilles. Ensuite, on va aller sur le petit bloc et hop! On passe au-dessus. Trop facile. La faute à mon doigt. C'est mon doigt qui a glissé. Non, ça marche pas. Là, je peux le tuer. En sautant. Il y a plusieurs façons, hein. Soit je les fais descendre, soit je les tue directement en faisant un petit saut. On va d'abord essayer le saut, et après j'essaierai... Enfin on verra bien. Faut déjà y arriver, hein, jusque là. Non. Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc on va les faire descendre. Comment. Mais qu'est-ce qui se passe? J'y arrive plus. Ça te nique les yeux déjà. Ça marche pas non plus. Oh putain, je sais pas. Je sais pas comment faire pour passer ces grenouilles à la con. Oh. Oh. Apparemment, si je le tue et que je saute directement, c'est prenable. C'est complètement prenable. Que je fais, pourquoi je flotte? C'est pas prenable du tout. Ah, plus qu'il casse. Non, non, il n'y aura pas de rage kit sur Battle Kid. C'est possible, c'est possible, c'est complètement possible. Voilà, là on a eu la confirmation de la possibilité du machin truc et ça possible, ça passe. Aucun souci, aucun souci. C'est comme si c'était fait. Regardez ça le skill, tac tac. T'as vu? Trop confiant le Thundard. Trop confiant. Voilà, ça passe. Ok, on a compris comment faire ce truc. Ça, ça va. Ça va pas sur les côtés. Ok. Tellement facile. Thundard hoste pas Benzaï. Quoi? Oh bordel! Attends. Waouh, attends. Il faut que je le fasse venir vers moi et je dois sauter. Si je fais ça maintenant, j'ai pas le temps d'y aller. Donc je dois le faire quand ça apparaît comme ça. Là je vais, tac, tac, et j'y vais. Ok. Merde! C'est exactement ce qu'il faut faire, mais plus vite. Bon, bah voilà, on avance bien, hein. Là je trouve que la progression est bonne. Ça ne se voit pas, mais j'apprécie. J'apprécie énormément. Voilà. Ça, c'est facile. Ça, c'est encore plus simple. Il suffit d'attendre le retour. Merci, le bono. Et là, il faut aller, comme j'ai dit, dès que ça apparaît. J'apprécie les fruits au sirop. Oui, ça devait sortir, ça. C'était ça qui devait sortir, en fait. J'ai réussi à le retenir. Sinon, ça part en camelote. Wow, t'as vu ça, le double? Ça, mais à chaque fois, je le réussis. Hop là! La puissance! Et là j'y vais mais à fond. Trop simple! Oh non! Oh non, le porte-savon! Oh putain, la grenouille! La grenouille quoi? La grenouille! Oh, la grenouille elle est sale! La grenouille est sale! La grenouille est sale! D'accord, j'ai compris, la grenouille, j'ai compris. Merde, il faut l'attirer, il faut attirer le porte-savon vers moi. Je vais y arriver. Merde, d'accord, là c'était bon, pourquoi t'es parti? Ouais, t'es parti. Et là, et là. Non, la grenouille! Vous avez compris ce qu'il faut faire? C'est facile. Elle m'en veut, hein. Elle m'en veut, la grenouille. Elle m'en veut à fond. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut la tuer après et ensuite passer. Ou alors je peux faire demi-pierre de coups comme ça. Bordel de... La grenouille qui se barre. Et merde. Voilà, c'est reparti. C'est reparti les conneries, le manque de skill. Le manque de skill revient. Et là c'est toujours au poil de cul. Mais ça passe. Ah et ça. Facile. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah, je la déteste, cette grenouille, là. Largue pas la deuxième fois pour tente-toi de sauter au-dessus. Faille tomber, faille tomber. Oh, oh, oh. La panique. La panique. Il faut passer. Oui, mais je comprends. Mais c'est hyper difficile. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon dans ce jeu. C'est la jouissance du checkpoint. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire, putain? Non, mais c'est ça. Il faut vraiment que ça passe derrière toi, comme ça après ça respawn plus et tu passes. Mais c'est la panique. En fait, je dois le tuer et je dois réfléchir. Je dois le tuer, m'éloigner et prendre mon temps. J'ai tellement facile maintenant. Mais là je dois le tuer. On est d'accord, je dois le tuer la première fois. Voilà. Voilà. C'est bon. Ça va au-dessus ou ça va... Comment ça va ça? Non, ça va sur les côtés, ça. Oh! D'accord, il fallait flotter. Il fallait flotter, tout simplement. Et j'y suis arrivé la première fois, voilà. Maintenant, c'est fini, j'y arriverai plus jamais. Il faut que j'atteigne le checkpoint. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent le piège. Ça sent le piège. Je vais aller en flottant. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Non, il n'y a rien. Et voilà, achievement Lungs of Steel. Maintenant j'ai l'oxygène illimité. Je dois me rendre où alors? Au niveau 2 je crois. Voilà, excellent. Maintenant il faut atteindre la sauvegarde. parce que si je n'atteins pas la sauvegarde, eh bien je perds l'équipement. Oh oui, oui, oui. Parfait. Ça c'était bon. Du bon gameplay. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh non. C'est le boss. C'est le boss. Alors, voyons voir s'il y a un achievement lié à ce boss-là. Il y en a un. Je crois. Il faut vaincre Nagakonda. Je vérifie. Non, il n'y a pas d'achievement lié à celui-là. Donc je dois juste lui défoncer la gueule et c'est fini. Ok, très bien. Voici un boss. Bon, c'est pas gagné, hein, parce que les boss de ce jeu, mais... on ne sait jamais. Et maintenant... voici le boss. Je vais me faire défoncer en 2 secondes, hein, je vous préviens. Salut! Bon, là, c'était évitable. C'était évitable. Donc, je me bats contre un dragon, un serpent géant, un serpent des mers. Allez. Je saute pas. Je saute maintenant. Oh la vache! Et vous avez vu le timing, et là il y a... oui. J'ai une idée. J'ai une idée. Pour visualiser le truc, je vais aller en arrière, flotter et tirer dans sa gueule. Go! Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Il y a aucun... mais attends, mais il y a rien. Et en plus, je suis ralenti parce que je suis dans l'eau. Mais il n'y a aucun safe point, c'est du basilic, voilà. C'est un basilic. Il n'y a pas de safe point là. Oh, safe point plutôt. Safe point, bordel, je vais y arriver. Je comprends pas. Salut, je l'ai bidiche. Est-ce que je... oui, je peux tirer sur lui. C'est facile. Ok. Waouh, waouh, putain. What the fuck? Oh là 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 là. Je peux tirer sur le petit poisson en haut. En bas. Je suis complètement mindé là. Voilà. Là je peux sauter comme ça. Je peux... mourir. C'est quoi ce boss là? De fou. Et si je me mets sur le deuxième bloc, c'est encore pire. Je veux bien essayer. Mais je vois pas... oui, ou alors réduire le... oui, je... il y a peut-être une idée, là. Mais attends, mais le temps de réaction... il est complètement pété, le temps de réaction. Éclater les bulles. On va essayer d'éclater les bulles, j'ai pas essayé. Mais... mystère. Est-ce qu'on peut éclater les bulles? On dirait que le basilic est posé sur une grosse merde. Non, on peut pas éclater les bulles. Définitivement non, on ne peut pas. On peut juste éclater le poisson et c'est bon. Le poisson. Ensuite, il faut passer comme j'ai fait la première fois. Et là, après le tir, mais... voilà, comme ça. Ça commençait tellement bien, cette VOD. Et là, on va rester 15 minutes. 15 minutes. 45 minutes là-dessus. Oh bordel, mais... laisse-moi respirer. Imaginez faire ça 20 fois. Le bloc de droite a l'air safe si tu sautes pas. Je vais y aller, mais... Déjà je vais tuer le poisson. Ensuite je vais... Ah oui, tiens. Effectivement. Effectivement, le bloc de droite, il y a de l'idée. Donc je tue le premier poisson en dessous. Ensuite, je me mets là. Et je bouffe. Oh, oh, oh. Bien joué. Et là, je me fais défoncer. Mais on a trop... on évolue. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à ce type de jeu. Et là... il faut trouver le safe point suivant. On a trouvé le premier safe point, ça c'est fait. Il faut d'abord défoncer le poisson, ensuite tu vas sur le bloc de droite, tu bouges plus, et la suite, il faut la trouver. Et pendant ce temps-là, merde, et pendant ce temps-là, il faut tirer sur le boss aussi. Parce que le but c'est quand même de le tuer. Voilà, trois petits coups et puis ils s'en vont. Oh, oh, d'accord. Ça a pas l'air... ça a l'air difficile. Mais je crois qu'on va y arriver. Là, je le sens bien. Oh, quoi? Mais... pourquoi je peux pas tirer dessus? Me dis pas qu'il faut tirer sur son œil. Mais pile dans son œil. Mais non, faut tirer dans sa bouche. Quand il ouvre la bouche. Oh, bordel. Au pied du premier spot, sur la gauche, ça a l'air safe. Non. Vu qu'il y a les... boules, les bulles, mais on va essayer. Je vais essayer tout ce que vous me dites. Donc je vais là, c'est safe. Ah mais non. Voyons voir, si j'appuie vers le bas, est-ce que je descends plus vite? Non. Non, non, non. Je ne peux pas augmenter la vitesse de descente, je peux juste... Ah mais attends. Qu'est-ce que je fais? Je peux flotter comme ça. Là, il ferme sa gueule, donc je peux rien faire. Je me mets là. Ok. Ok, on a trouvé. Donc, le premier. Je dois me mettre sur le bloc de gauche, sauter au-dessus, et ensuite me mettre en dessous, battre le premier poisson, enfin, battre le poisson, aller sur la droite, et ainsi de suite. Et on défonce ce basilic. C'est comme ça qu'on fait. On saute au-dessus, on saute au-dessus, on se met en dessous. Et voilà. Et ainsi de suite. On tue le poisson, on se met là. Et voilà, on a trouvé. Mais passe au-dessus! Passe au-dessus! Il faut... Voilà, on a compris le truc, maintenant il faut le refaire plusieurs fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci Takwanso. Et bébé, qu'est-ce que tu fais? Et merci Bénit Subasha. Voilà, et voilà. Et là tu tires dessus, et le poisson, et tu te mets là, et tu te mets là, et tu passes au-dessus, et tu te mets en dessous, et tu tires dessus, et le poisson, et tu rates ton coup, et c'est comme ça, et ainsi de suite. Voilà, exactement, tout est entre mes mains. Il n'y a plus qu'à refaire ça 200 fois et c'est gagné. Ah putain. Et si tu te mettais au niveau de l'entrée des poissons quand ils tirent? Non, parce qu'il y a une grille. La grille elle se referme, voilà. Je peux pas. Là je peux pas tirer dessus, donc ça sert à rien de tirer. Là je peux tirer. Tac. De quoi? Et si tu te mettais au niveau de l'entrée des poissons? L'entrée des poissons? Oui mais l'entrée des poissons, il y a un poisson qui va me foncer dessus. Je vais essayer, mais bon, ça sert à rien. Voilà, non. Ça marche pas. Non, non, la première idée est la bonne. Faut jouer tranquillement. Merde, j'ai raté, c'est pas grave. Là j'ai raté l'occasion de tirer dessus, et là je suis mort. Non, mauvais. Ouh. Voilà, voilà, là on est bon. On est bon, on est bon. Ferme-la. Merde! J'ai pas tiré dessus. Faut penser à tout, hein, faut penser à tout. Oh! Oh mais c'est... Et je vous jure, c'est hypnotisant le truc. Le truc est hypnotisant, c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas d'autre façon de le faire, mais il y a un moment tu décroches. Oui, c'est ça. J'arrive. J'arrive, je te défonce. On n'en parle plus. Très joli. Mais je ne veux plus te voir. Fou de camp, saloperie de machin. J'ai failli oublier le poisson du dessous. Et ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Oh là là là. Bon. Ça va une... La vitesse n'augmente pas. Oh, c'était facile. C'était facile. Et maintenant, je vais direct à la sauvegarde. Et voilà. Ça, c'est fait. J'ai eu le petit achievement. Et... oh putain, attention, ça pète les yeux. Donc maintenant, je peux aller dans l'eau. Oui, là je reviens au départ. Et pas, je suis où? Là c'est la sauvegarde. Allez, hop, je sauvegarde, tant pis. C'était quoi par là? Ah oui, je me souviens. Du coup, non. Je vais par là. Je dois redescendre. Je dois redescendre, je dois aller au niveau 2. Par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais par là. Non, par là, c'est foutu. Et par là, je peux revenir. Ah, non! Je suis obligé de passer par le passage avec l'escargot. Oh putain! Bon, et eh bien voilà. J'ai bien fait de ne pas passer par là la première fois. Bon. Ça passe pas. Ça passe, putain. Oh, j'y suis arrivé! Oh mais la difficulté du truc là. Là je dois faire ça. Ensuite je dois faire ça. Ensuite je dois faire ça. Oh putain. Est-ce que vous voyez le délire? Oui 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 oui. Petite danse de la victoire. Et ça c'est quoi? Ça ça va me défoncer. Non. Non. Oui, c'est la sortie. C'est la sortie. Il faut absolument que ces grenouilles... que ces grenouilles de merde... Voilà, et de une. Et de deux. Et oui. Et... attention, c'est pas fini. Oh, porte. Non. Non, ok. On y croit. On y croit. Là, je vais passer au-dessus. Oui! La Warp Zone! Ok. Et maintenant que j'ai l'oxygène, je vais aller ici. Juste pour aller lire l'ordinateur. Et non, je dois pas aller au niveau 2, je dois aller au niveau 5. Ok. Je dois trouver la clé numéro 2. Donc je vais retourner au niveau 5, je vais retourner dans l'eau. Et je vais sauvegarder ici. Ok, c'est parti. Je suis pas sûr... je suis pas sûr qu'il faille aller par là par contre. Ouais. Très bien, voilà. Je veux pas perdre. Et lui il va me tirer dessus. Donc je me mets là comme ça. Oh. Ah oui, mais non, c'est impossible. On peut pas revenir, là. On peut. Attention, ça. Oh! Je sais pas si c'est par là que je dois aller. Putain! C'était tellement simple. C'était tellement simple. Et je sais pas si c'est par là que je dois aller. Ouais. C'est un peu la merde, là. Je suis paumé. Je suis paumé. Attendez. De toute façon, je peux revenir ici n'importe quand. Je vais aller là. C'est quoi, ici? Non, ne sauvegarde pas. Ne touche pas aux sauvegardes. Ça, c'est le château dans le ciel. Ah non! Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Jamais plus. Plus jamais ça sur 20. Et ici. Plus que 2. Donc ça, c'est la fin du jeu. Et par là, je ne sais pas. Je sais plus. Je suis paumé. Ouais, le 4 peut-être. Non, 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 mais non. Ça, c'est l'entrée de la forteresse. Ah, peut-être là-bas. Oui. Oui, 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 c'est ici. C'est ici. Alors là, c'est bon, j'ai envie d'aller voir les anciens lives. Bientôt, t'es sur YouTube. Pas sauvegarder. Non. De sauvegarde... Franchement, si je sauvegarde là, je suis vraiment un gros connard. Et là... Oh. 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 Oh oui. Ah. Ah. Oui, c'est ici, c'est complètement ici, c'est énorme. Je ne serais pas bloqué. Le con. Oh. Non, pas par là. On est... Merde, c'était où? C'était le niveau 2. C'était le niveau 2. Je sais plus. Oh là là, mémoire de poisson rouge. C'est par là. Et je sauvegarde, le prochain point de sauvegarde, je sauvegarde. C'est ici, le prochain point de sauvegarde, il est là, il est pas là. Il est là. Il est là. Il est là, le point de sauvegarde. Il est là, le point de sauvegarde. Hop, je passe, rien à foutre. Oh, merde. Donc là, je passe, c'est ça, tranquille. Aucun souci, là, je... Merde. Je tire d'abord sur toi. Après sur toi. Des merdes. Et c'est ici. Maintenant que j'ai l'oxygène limité. Ouais. Non, faut sauter. Faut faire un petit saut. Oh, je passe, pas de temps à perdre avec lui. Toi aussi. Voilà, je te défonce en plus. Et là, faut faire un petit saut. Le petit saut. Et tu fonces, ces merdes. Parfait. Oh, lui, il est chiant, lui. Oh, ok. Ça a l'air de rien, mais... C'est hypnotisant. On peut tirer dessus, on peut les tuer, heureusement. Et le point de sauvegarde, on prend... Et je crois que c'est ici. Voilà, donc je dois récupérer la clé numéro 2 qui se trouve de l'autre côté, mais j'avais déjà tenté de le faire sans l'oxygène, et donc j'avais 90 secondes pour atteindre cet endroit, et c'était impossible, donc hop, hop. Maintenant ça va être possible, on a tout notre temps. Que le jeu a une trame narrative. Que veux-tu dire par là? Il y a bien un scénario, tout ça. Tout est cohérent. Bon là j'ai dépassé plus de la moitié du jeu. Là c'est facile, là on se détend, là on est bien, tranquille, on suit le petit parcours. J'espère qu'il n'y a pas un piège, ah voilà. Là je crois que je dois faire ça. Ah bah non, ça repop. Voyons voir. Ah bah d'accord, je pourrais pas vérifier. Donc là, je dois aller ici. Et c'est ici que je perdais, sans l'oxygène. Impossible d'arriver plus loin, c'était la fin. Deuxième clé, et pas d'achievement, pourquoi? Il n'y a pas d'achievement pour ça? Non. Il n'y a pas d'achievement pour ça. Voilà, j'ai la deuxième clé, maintenant je peux aller... je ne sais plus où. Ouais, je vais devoir aller consulter l'ordinateur. Mais il est tellement loin, l'ordinateur. Oh. Oui, mais c'est pas comme ça que tu y arriveras. Je vais tenter par là, mais je suis pas sûr. Là, je suis vraiment pas sûr. Là, je suis parti pour refaire... tout le jeu à la recherche de la porte numéro 2. Et c'est pas trop le jeu où t'as envie d'explorer, tu vois. Déjà que c'est super chaud de passer les trucs. Allez. C'est un puzzle game. Ça déjà. Bordel! Non, je crois pas que ce soit par là. C'est con qu'il n'y ait pas une map. Non, il n'y a pas de map. Retente, mais non, non. Il n'y a aucune carte dans ce jeu. Il y avait une porte où les mines disparaissaient en rythme. Ouais, c'est la seule dont je me souviens, mais... à mon avis, ça ne sert à rien. Je vois pas l'utilité de cette porte. Putain, je me souviens de ce truc. Et là, je pars complètement, mais... complètement ailleurs. Live des Battle Kid, ben pour l'instant dans les diffusions précédentes, je ne fais plus de highlights parce que personne ne les regarde, et ce sera plus tard sur ma chaîne YouTube. Beaucoup plus tard. Oh, oh, il y a quoi là? C'est super risqué. C'est extrêmement risqué ce que je vais faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauvegarde? Oh putain, je sais pas. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Si c'est pas par là, ben j'aurais fait tout ça pour rien. Et c'est hyper chiant en plus ce passage. Oh non, j'aurais pas dû sauvegarder. Je regrette tellement ce que je viens de faire. Le sel. Ah quoique. Ah si si, eux je peux les tuer. Non non, tout va bien, tout va bien. Et ça, vous vous souvenez de ça? Ça a l'air de rien. Merde. Putain, non, je dois tout me retaper. Et à l'envers... à l'envers c'est encore pire. Ça c'est la merde. J'ai une clé, je sais pas où aller. Metroidvania. dit Patator, c'est en accéléré, non pas du tout. C'est la vitesse normale du jeu. Oh non, mais non, mais non. Je retente si en arrière c'est facile. Si en arrière c'est facile, si je le passe du premier coup... Ok, c'est facile. Aucun risque. Aucun risque. Absolument aucun risque. Voilà. Je vais jusqu'au bout, hein. Je vais jusqu'au bout. Ah, là, le risque, il est là. Voilà, le risque, il est là. Mais bon, on peut revenir en arrière, donc... Je ne regrette pas d'avoir... d'avoir sauvegardé ici. Quand il n'y en a qu'une, ça va, mais quand il y en a deux... Quand il y a deux boules... Hop, d'accord. Tu te réveilles. Ça, c'est chaud. Ça a l'air de rien, ça, mais... C'est putain de chaud. Voilà. Et là, faut aller derrière. Voilà, ça faut faire ça, faut revenir comme ça et faut tirer dessus. Oui, la chaîne Thundard, c'est la chaîne qui s'est fait striker, du coup, il n'y a plus rien dessus. C'est Monsieur Thundard, je sais, c'est pas terrible, mais voilà. Regardez mes 600 vidéos. Bientôt 700. Yeah, 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 yeah. Non, on se casse. Putain, la panique. Qu'il faut faire, c'est se mettre en dessous. Ensuite, dès que le coquillage du dessus a craché ses trois boules, il faut tirer sur le truc. Là, il faut flotter. Il faut tirer sur la chauve-souris. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Vous avez vu la vitesse du sprite? Je rappelle qu'on est sur NES. Ce jeu tourne sur NES. C'est incroyable. C'est incroyable. La prouesse technique. Voilà, comme ça. Mais... Oh putain. Je suis trop con. Mais personne ne me le dit en plus. Vous étiez là, vous avez vu. Je refais la même chose à l'envers, quoi. Ça sert à rien d'aller là. Ça sert à rien d'aller là. Oh putain. Quel fail. Oh putain. Putain. Oui, bien. Bien. Bon, je retourne alors. Ça sert à rien d'aller par là, je me complique la vie pour rien. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de skill. C'est pas comme ça que je faisais la première fois. Yep. Ah mais l'escargot. L'escargot, n'oublions pas l'escargot. C'est la panique. L'escargot il est là. Ça c'est vraiment un ennemi de merde. C'est une saloperie. Cet escargot là. Putain. Ah là 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 là. Les pics au-dessus de ta tête. Merde. Avec mon doigt. Piu 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 piu. Piu 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 piu. J'espère qu'on aura une autre arme plus tard. Un peu plus rapide, un peu plus fun, parce que ces petites boules là depuis le début du jeu, on a que ça. Hein. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est la seule et unique arme de Timmy. Ça Benzaï, hein. Faut le hyper. Remonter loin sur Twitch, bah normalement tu l'as diffusion précédente. Tu regardes l'onglet diffusion précédente et t'as aussi les highlights. Plus de 400 vidéos. Vous savez que ça fait 500 vidéos que je fais en VOD depuis le mois de juin. Ah, allez, l'escargot. Ah non, c'est pas ici. C'est pas là non plus. Non, on pourrait faire un FPS à papy. En coop. Que je te déteste. Enfoiré. Je t'ai défoncé. La sauvegarde. La sauvegarde, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Elle est là. Oui, elle est là. Bon, maintenant, je vérifie juste un truc. Là, c'est la clé, voilà. Il n'y a absolument plus rien à faire dans ce coin. Plus jamais j'irai par là. Plus jamais, 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 jamais. Jamais plus. Et c'est là qu'il n'y a pas de point de non-retour. Que je retourne de l'autre côté. Ah oui, il y a ça aussi. Là, je dois me mettre ici au fond, comme ça, et péter sa gueule. Et il y a ça aussi. faire. Ah non, mais il est super long le checkpoint. Par contre, non. Non, non, je vais pas aller par là. Je vais d'abord aller par ici pour voir ce qu'il y a de ce côté. Je m'en souviens plus, il y a ça. Non, ça c'est chaud. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Où vais-je? Dans quelle étagère? Dans quelle commode? Dans quelle armoire? Par là je dois aller. Quoi? Mais qu'est-ce que... Je dois trouver la porte numéro 2. Ou un ordinateur. Mais merde, je vais les tuer. Je vais les tuer. Ouais, j'ai fait Spooky House. La fin, bah, j'ai eu la mauvaise fin, donc ça fait chier. Je suis dégoûté. Voilà comment je vous spoil mes vidéos. Ah, c'est chiant. Faudrait que je revienne au point de sauvegarde qui se trouve au-dessus, que je revienne ici et que je tente par là. Ou alors j'y vais direct. Ah, j'y vais direct. Non, ce timing de fou. Voilà. Mortel, non. Là, c'est foutu. Si je me mets là, il me tue pas. Ok. Mais... oh, je suis revenu là. Je suis revenu là. Alors là, c'est vraiment de la chance. Là, je peux toujours pas aller. Parce qu'il me faut le triple saut. Par contre, je dois trouver la worm zone la plus proche. Et à mon avis... ah, c'est risqué. Non, non, surtout pas. Surtout pas par là. Donc c'est par là le plus safe. Oh, j'ai trouvé du premier coup. Ça c'est vraiment du bol, c'est vraiment de la chance. Voilà la suite du jeu. Elle est là. Par contre, non, il faut trouver un point de sauvegarde. Ah. Bon, je vais aller par là. Par là c'est mort, il n'y a pas de point de sauvegarde, il n'y a que dalle. C'est sûr. Non, 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 ne tente rien, ne tente rien. Ah, ici! Ici! Faut juste que je fasse pas le con. Oh oui! Le point de sauvegarde qui est tout prêt. C'est parfait! Et à plus sur la prochaine vidéo de Battle Kid!